Bruno Jean-Richard Itoy, ministre des hydrocarbures devant les cadres et agents sous sa tutelle, ce jeudi 9 février à Brazzaville. Il décline ici les orientations générales des années 2023-2024 pour un fonctionnement plus optimal de son département. Il a mis en avant le décret définissant les missions du ministère des hydrocarbures qui s'appuie sur le cadre juridique avec un accent particulier sur le partage de production. Les missions exécutées par le ministère s'appuient sur un cadre juridique, sur un corpus juridique constitué d'un certain nombre de lois. La plus importante d'entre elles, c'est la loi portant code des hydrocarbures qui a été révisée en 2016. Mais il y a d'autres lois. À partir de ces lois, et notamment du code des hydrocarbures, d'autres documents juridiques sont élaborés, notamment dans notre cas, les contrats de partage de production, qui sont l'élément qui nous lie avec des acteurs au niveau de l'amont pétrolier. Au niveau de l'aval pétrolier, une batterie de textes d'application pris depuis longtemps, depuis presque 20 ans, encadre l'activité de l'aval pétrolier. Les actes stratégiques du dit secteur pour les prochaines années étaient aussi comptés parmi les orientations de Bruno Jean-Richard Itoy. Il s'agit a priori de rétablir coûte que coûte la confiance et la sérénité à l'aval pétrolier, promouvoir le gaz dans toute sa diversité, afin qu'il soit à la fois à la disposition de tous les ménages et renflouer les caisses de l'État. De ne pas essayer de regarder quand même. Vous ne devez pas décider comme ça, point pour point, mais analyser, regarder. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas plus valorisant? Est-ce que ce n'est pas plus rentable de privilégier le gaz aujourd'hui sur ce champ? Et donc, l'étude est en cours. J'espère qu'elle va les convaincre de faire cette transformation. Nous y croyons, le président en tête. En plus des axes, a étayé les priorités et perspectives pour 2023-2024. Il place ainsi dans les premières lignes la mise en œuvre des nouvelles réformes institutionnelles, le budget de fonctionnement et les conditions de travail. Je ne vois pas comment le ministère qui gère la première ressource nationale peut être mal loti, mal logé, mal installé. Mais ça concerne aussi les structures sous tutelle et il est clair que je ne suis pas satisfait. L'installation de la RAP, c'est clair. La SNPC bénéficie de meilleures conditions d'installation, tant mieux. Je ne suis pas satisfait des conditions d'installation de la DDHK à Pointe-Noire, disons départementale à Dolisy, disons départementale à Oyo. Ça n'est pas acceptable. Pour la responsabilité qui est celle de ces agents, qui gèrent la première ressource du pays, qui apporte près de 60% du budget de l'État, il n'est pas acceptable qu'ils travaillent dans les conditions que j'ai pu constater. Désormais pour le ministère des hydrocarbures, premier poumon des finances publiques, cette réunion se tiendra deux fois l'année, une au début de l'année et l'autre en fin d'année avec en filigrane la préparation des échéances de fin d'année. Bruno Jean-Richard Itoy a également, au cours de cette séance tenante, annoncé la création dans un avenir proche d'un institut africain de pétrole à Pointe-Noire.